Mon intention originelle était d'aller en Israël, mais je suis revenu de Palestine. Je ne m'attendais pas du tout à ce que le voyage tourne de cette façon-là. Je me rends en 2018 en Israël, reprendre contact avec peut-être une partie de mes racines. Le fait d'aller voir cette pièce au Théâtre National Palestinien m'a ouvert une partie de l'histoire. Ma mère étant jeune, certains de ses amis étaient juifs et sionistes. C'était ce que j'avais entendu. Et il y avait certaines choses qui étaient fausses, comme par exemple que la Palestine était un désert. Ça m'a donné un autre point de vue et il y a un champ qui s'est ouvert. C'est pas un projet au milieu d'autres. Pas dormi pendant 3 jours après avoir vu la pièce. J'ai eu envie de la partager avec le public francophone. Je me suis dit, cette pièce, il faut absolument que je puisse la jouer en France. On raconte sa vie, il est né en Galilée et à 17 ans, il va devoir fuir la Palestine parce que les avions des sionistes arrivent et il doit donc partir au Liban à pied avec sa famille. Et il va reconstruire sa vie et au fur et à mesure, il va commencer à devenir poète et comprendre que la poésie va transcender ses souffrances. Justement, elle a la force, cette pièce, de sortir des clivages. Elle casse les a priori, c'est un message de paix. Parfois, je désire défier l'homme qui a tué mon père détruit notre maison. Mais si je me rendais compte durant le duel que mon adversaire a une mère qui l'attend, alors je ne le tuerais pas si j'étais le vainqueur. Une question qui m'a traversé la tête, c'est qu'est-ce que pouvait sentir Tarak? Donc je me suis dit, je vais me procurer des savons de Naplouse, voilà. Et donc de sentir probablement ce que pouvait sentir Tara sur lui-même, c'est-à-dire son odeur. Je désire défier l'homme qui a tué mon père. Wahakada istagharaktu 60 sanatan kamila hatta adraktu anna al-ma'a aladdu al-ashriba. أن الخبز من لطيمة أشهاها وأن لقيمة حقيقية لأي فن إلا إذا أدخل البهجة إلى قلب الإنسان. Ce spectacle m'intéresse beaucoup parce que ça représente mon historique, l'histoire de mon grand-père, comme l'histoire de tous les Palestiniens qui ont été obligés de partir de chez eux au moment de Nakba. Je suis en train de répéter mon texte en marchant, parce que ça, enfin depuis toujours, j'ai toujours appris mes textes de cette façon-là. Je suis venu au monde contre lui, contre sa volonté. Le monde ne voulait pas de moi. Félicitations pour tout, hein. Y compris l'accent arabe. Ah, alors là, si j'ai la vanne. Alors, c'est vrai.